nous fait choix de nous pour informer, ou nous c'est Sophia TV 83 réseau information. Hein? Jeudi à c'est 23 décembre 2022. Et 23 décembre, nous prenons une chance, ouais, et l'autre année, mais qui prend l'année 2024. À nous entrer dans le détail information, nous prenons directement dans la ville de Miragouane, côté commissaire Miskaden continue à faire l'obéir et parents victimes n'ont accepté Maria te gagné un trouble mental il te gagné zam nan mel l'étape rançonné moun bay gros pression selon sa une victime yo raconté et li prend yon bal nan pied c'est à nan main jeune garçon ça qui tombé journée jodi a la en babal commissaire Miskaden et famille raconté c'est la kayli yo vin pral gagné divers points nous pral tande nan actualité a près de 400 soldats nan FADH gradué jodi a la les sages qui dans tête l'armée a mandé yo prendre responsabilité yo suite à ça yo gen pour faire dans communauté haïtienne nan. Mais qui t'aime dit tout son embryon l'armée Jovenel le mette sous pied que le baguette en ouais grandissant nous connaît Jovenel mouri dans situation drôle yo mesdames messieurs en pile point à l'autre pour faire essentiel jodi a actualité a rete connecté ensemble avec pas oublier nous la veille Noël 23 décembre 2022 m'a content toujours qu'un bien informé sous nouvelle yo continuez à abonner à Chanel Paula Sophia TV 83 information à clôt à continuer venir à chaque fois poster une nouveau vidéo sous Chanel là je viens ensemble avec une couline avec une fille maintenant il y a qui n'avait là depuis les a problème là bas pointer les armes sur monde et fait mon c'est des bagarres mais tout le monde n'a veille là t'est venu évacuer monsieur tout le monde n'avait là veille là était comme si ça s'écraser parce que jeune monsieur a influencé mon ensemble avec les armes là il n'y a pas de problème là n'est pas arrêté des ordres d'affaires. Bon, je viens de remarquer ça, je suis début de la il y a un espace là, ça veut dire qu'il faut qu'il identifier tout pour passer voir la caille. Soit en bas, ou bien chance, et l'homme dit en bas, ou mettez tout sous zone basque, ou bien chance, ou bien caler libre. Mais il faut mettre tout sous zone, dit pas aller dans les abricots, environ les monsieurs. Ça veut dire qu'il faut passer devant monsieur pour l'identifier, pour qu'il doit aller, pour être dans la caille. Et puis, il y a même espace ça. Donc, une machine qui a passé, et puis, monsieur, les joué un rôle de circulation, la fait machine en descente. Et puis, monsieur, il a passé par des machines en bas de la caille. Et puis, je ne sais pas si l'agent et dans la poche, monsieur, était sorti, mais il semblait que dans la machine, l'agent était sorti. Moi, monsieur, après, ma son équipe, l'agent, ça veut dire l'agent, dans l'espace où je suis la caille, l'agent commençait à se mettre bien à l'air, et puis, monsieur, dit me camper. On a campé, monsieur, venu fouiller. Et puis, dans un moment, la fouille est dans la poche. Et puis, même l'argent, je me suis dans la poche, monsieur, prend l'argent. Et l'argent, monté ensemble avec l'argent par l'étape. Et puis, monsieur, il pointé sur moi. Et puis, je suis venu tout en bas avec moi. Et puis, je suis venu à la et puis, bonne chance pour moi, il n'y a plus de monsieur, voilà. Monsieur, il y a plein de noms dans la poche déjà passé à chaque moment. Il toujours et créer des gens des activités ça prendre sortir ensemble avec les amis et bail mon problème tout ça mais dit qu'on bat monde même maman monsieur bat moi qui dommagé on va demander justice m'a demandé parce que même coucher sous cabane l'hôpital là on va et famille avec poche moi capable d'aider victime d'un qui s'est mis au pied lui qui t'a expliqué qui j'en s'atteye qui j'en t'ai fait victime gain madame Robinson Léonard qui les mêmes palais nous dit Robinson Léonard c'est non un jeune garçon qui tombait en babal commissaire gouvernement Miragouane Ernest Muscadet dans la nuit 21 pour le 22 décembre d'après commissaire jeune garçon ça arrivait tomber pendant le tabou quand t'es coup de zamaclé après t'es fin blessé un monde dans cuisse ou sautant des interventions monde qui t'est blessé dans cuisse qui s'est mis au pied lui maintenant nous permettre tout côté madame Robinson Léonard qui dit qui parlait lui-même qui m'a dit justice et qui portait un démenti formel contre toute information qui fait quoi Maril c'était un bandit en côté moun qui dit Robinson c'est gang nié moun n'a pi gang passé Robinson Léonard te kon travail Robinson Léonard pas de kon al foue men a fait moun qui dit li se gang nan. Moun nan konnen très bien Robinson Leona te malade. Te gen maladie fétiche. Robinson t'a traversé une période difficile. C'est ça que fait t'est arrivé, agité jan t'est agité à malgré toute intervention nous-mêmes nous t'ai fait bon côté pas nous ça t'est vinn pas paraître possible pour nous te calmer.
mais entre lui même avec mon nom, moi pas présent pour me dire mais qui ça t'est passé, mais entre lui même avec mon nom et mon qui était présent, eux connaît qui ça t'est passé, qui menait à le fait que il était armé, il était porté, il était tiré sous lui parce que mon était essayé prendre cobli sous lui qu'on y a l'alté défendre. Commissaire Miskaden, on fait un travail dans le département en pile mon couri. Oui, nous empêcher bandits rentrer dans le département. C'est bien. Nous battons bravo pour vous. Les tout le monde campé, toute autorité qui a fait lobby campé pour te voir aller dans le monde qui a campé avec vous. Mais, leur rentrer en dans caillon moun ou assassiner, c'est pas bandit lié parce que ou pas dans altercation avec Robinson. Robinson pas tiré avec ou pas arrêté pour dire Robinson c'est gang lié. Et moun qui dit Robinson c'est gang lié. Bon Dieu baille, bon Dieu prend, que non l'Éternel béni. Je dis à c'est Robinson qui tombe. Je dis à Code là, c'est dans Remni. C'est dans une famille Prospect. C'est dans une famille Léona. C'est dans une famille Yodelie. Là, au tap côté intervention Landy Wilson qui c'est madame Robinson Léonard qui c'est un jeune garçon qui tombe en babal commissaire gouvernement ami Aguanaja Ernest Muscadet dans la nuit 21 pour le 22 décembre d'après commissaire jeune garçon ça rivé tombé pendant le tabou quand Kouzama clé après été fin blessé un monde cuisse li pendant le dans une veille dans zone d'Ipak une localité qui dans première section communale mi Aguanouté déjà attendait Mirto Pierre lui lui-même qui était prend balle dans cuisse l'était expliqué Feyo, et puis après ça, vous t'étendez Madame Robinson Léona, qui c'est Landy Wilson. Allez avec ensemble de nouveaux soldats, ça y est, qui FADH qui gradient hier jeudi. Gagne 400 nouveaux soldats, force la médaille qui gradient hier jeudi. Parmi eux, 92 femmes dans le cadre de la cérémonie qui déroule dans le aviation militaire. Claire Sine, en présence du Premier ministre Ariel Henry, formation nouveaux soldats, ça y est, démarré 29 mai 2022 à la base militaire Léo Ghana. Il n'est pas facile d'après le commandant à Ilamé, à Jodel Le Sage, qui remercie formateur, il dit qu'il pas travail en vain. Jodel Le Sage, qui rappelle soldat, c'est un vie sacrifice, m'a dégradé pour mettre en application formation, te recevoir. En côté, Jodel Le Sage, pour plus de détails. Nous étions quoi que si ou là avec nous aujourd'hui, c'est pas forcé ou forcé ou. C'est un choix de grand monde qu'on fait, un choix délibéré, un choix responsable. Pour me répéter, parole des faits général Abraham, à la minute aussi engagement dans l'armée. Ou gagne 101 ans. Donc, pas gagne à faire tibou piti encore. La main, c'est pas un jouet. Yo elé le métier des armes. N'a pas les deux armes qui ka blessé moun, qui ka tué moun. Donc, pas gagne plaisanterie dans ça. C'est ça que fait. Nous va aux formations pour ka bien connaître les armes observées avec l'IA. Pour qu'on qui l'est ou doit utiliser, dans qui condition ou ka utiliser. L'important pour nous toujours songer que mission nous dans la main, c'est défendre territoire pays d'Haïti. C'est défendre population haïtienne là, dans balle sécurité, pendant la travail, la main dans la main, avec la police. De même, faut nous toujours songer, ça règlement la mer a dit, faut que nous toujours respecter qu'embé discipline la mer fort pour nous gagner un carrière militaire sans désagrément. Avec ça, la mer a qu'à compter sur nous, pays d'Haïti, à peuple haïtien, a qu'à compter sur nous. Je vous souhaite bonne chance. Voilà, on t'a écouté, commandant-chef AI, Force Lamea, Jodel Le Sage. Nous préalons avec Enol Joseph, qui c'est ministre défenseur, promotion deuxième classe soldat, ça y est, Potenon Boukman, qui organisé premier soulèvement général noyau. Ministre défenseur, qui c'est Enol Joseph, qui s'allie nouveau gradio, qui prend Boukman comme modèle, il rappelle, principale mission Lamea, dans ça qui vient pour la protection territoire, dans respect droit moun, intervention dans la catastrophe naturelle et latrier, ministre justice, ministre Joseph, en occasion, prend renouveler volonté ministère pour moderniser puis professionnaliser force l'armée. En côté, Enol Joseph, dans le micro, Josué Bellamou. Je félicite les recrues qui ont choisi pour modèle cette figure emblématique ayant organisé le premier soulèvement général des esclaves et du Tibouklan, tout en réclamant les droits fondamentaux de l'homme noir à plaider pour un développement équilibré du territoire en faveur des travailleurs et non en faveur des exploitants. Dutty Boukman, plus connu sous le nom de Boukman, fut le précurseur de l'armée indigène. Il fut un rassembleur, car au-delà du symbolisme de la cérémonie du bois caïman, il a su rassembler les esclaves de toutes les plantations pour donner l'impulsion
au mouvement qui va converger vers la bataille de Vertière. C'est cette même armée indigène que Jean-Jacques Dessalines a su fédérer pour mener à l'indépendance le 1er janvier 1804 et en même temps à la création de l'armée d'Haïti. Donc, vous êtes aujourd'hui à la fois les dignes héritières, héritiers et porte-flambeaux. Certes, héritières et héritiers d'une nouvelle armée plus moderne, avec, je dirais, une nouvelle vision, une nouvelle philosophie, une armée soucieuse du respect des droits fondamentaux de l'homme, de l'équité de genre, axée sur la défense aussi civile, la protection de l'environnement et apte également à intervenir en cas de catastrophe naturelle selon les prescrits du livre blanc. En effet, le livre blanc sur la sécurité et la défense nationale pour le développement économique et durable d'Haïti donne aux forces armées la mission de contribuer notamment au développement durable du pays. L'armée sera appelée à conduire des projets pilotes dans divers domaines et à vulgariser les résultats. Voilà, on t'a écouté ministre défense Enol Joseph, gagné un premier ministériel qui était présent à l'occasion, qui fait qu'on est cérémonie de graduation deuxième classe soldat, la MEA, doyon opportunité pour engager yon débat national sous avenir FADH là. D'après chef gouvernement, c'est une nécessité pour gagner réflexion qui fait sous un sujet ça, une façon pour la MEA capable de gagner confiance, population côté Ariel Henry, Namiko Josué Belamou. Chaque fois que j'ai l'occasion de prendre la parole, face à des compatriotes qui ont décidé de servir notre pays et la communauté nationale en faisant le choix des armes, le choix de risquer leur vie pour défendre la nôtre, le choix d'affronter les dangers de toutes sortes pour s'assurer que la population puisse vivre et dormir tranquille sans avoir à craindre pour sa sécurité, je me dis qu'il y a de l'espoir pour notre pays. Celles et ceux qui vont être gradués aujourd'hui et qui sont devenus des soldats de notre armée auraient pu devenir médecins, avocats, ingénieurs, artistes, informaticiens et que sais-je encore. Nous devons tous les féliciter et leur exprimer notre admiration pour leur choix de rejoindre les rangs de l'armée nationale. Soit dit-il en passant qu'une armée moderne doit compter en son sein à côté des troupes combattantes des médecins, des avocats, des ingénieurs, des musiciens, des informaticiens et bien d'autres professionnels. Cette cérémonie doit être pour nous une occasion d'engager un débat national sérieux, sans complaisance sur le devenir des forces armées d'Haïti. Sa mission, sa doctrine, ses règles d'engagement, sa taille, son financement, la part de notre budget à lui consacrer. Nous ne pouvons pas faire l'économie d'une telle réflexion. Parce qu'il est essentiel que la nation tout entière fasse confiance à son armée et lui apporte son soutien sans faille. Hier, nous avons réussi à annoncer la signature de compromis national pour une transition inclusive et des élections transparentes, auxquelles ont adhéré des organisations de la société civile, des partis politiques et le secteur privé des affaires. Justement, l'une des attributions des structures mises en place sera de travailler sur un toilettage de notre Constitution. Nous avons toujours été avec le Premier ministre Ariel Henry qui a préagi sur le dossier insécurité qui fait qu'on est pour porter réponse à la gang armée. Il faut que la police militarisée ou bien un corps militaire bien équipé pour aider PNH là. Dans ce sens, le chef gouvernement a expliqué bien fondé demande du gouvernement pour solliciter aide d'une force militaire étrangère pour venir aider PNH là, résoudre des problèmes gang dans le pays en côté. Une deuxième fois, Ariel Henry, toujours dans le micro, Josué Belamou.
Il est regrettable que nous n'ayons pas pris le temps de réfléchir ensemble et de construire un large consensus sur un sujet de cette importance avant de décider la dissolution pure et simple de nos forces armées. Les dérives de nos militaires au cours de notre histoire, les coups d'État à répétition et leur instrumentalisation par les divers régimes dictatoriaux avaient certes créé une méfiance et même une aversion de la part de la population, trop souvent victime, pouvant expliquer la décision radicale de démanteler notre armée. Les conséquences, nous les vivons au quotidien aujourd'hui. Les actions des grandes armées dépassent les cadres du grand banditisme et s'apparentent de plus en plus à des actes de guerre contre les citoyens, contre les entreprises, contre l'économie nationale. Pour y répondre, il nous faut soit militariser davantage la police, comme cela fait de plus en plus dans divers pays, soit avoir un corps militaire formé, entraîné et équipé avec des moyens modernes qui soient en mesure de venir, selon des règles préalablement bien définies, aider la police nationale d'Haïti en tant que de besoin. Au mois d'octobre de cette année, le gouvernement, après de mûres réflexions et face à l'ampleur du phénomène des gangs armés, a pris la difficile décision de solliciter une assistance internationale pour aider la PNH à reprendre le contrôle du territoire et à y faire régner la loi. Nous devons, en tant que peuple, transformer nos problèmes de sécurité actuels en une opportunité pour trouver ensemble les formules appropriées et unanimement acceptées. C'est à cette condition que nous éviterons d'avoir à demander tous les 10 ans l'aide des pays amis pour résoudre nos problèmes de sécurité et de gouvernance. Soldats de la nouvelle armée nationale, je m'adresse à vous en particulier pour rappeler ce qu'on vous a certainement déjà inculqué au cours de votre formation. Vous intégrez les forces armées à un moment de notre histoire où le peuple haïtien a choisi de tourner le dos définitivement à la dictature et à embrasser la démocratie. Vous l'avez compris, l'armée écrasée Zoa, pas à la mode encore. Époque, côté politicien, dès qu'on utilisait l'armée pour terroriser le peuple là, bagaille ça, FIFI, NINI. Pas de place dans Nouvelle Haïti, Nouvelle-Haïti, pour monde qui pas comprendre ça. Nous prenons avec un parlementaire Jean Renel, sénatus. Compromis historique passé à quoi un premier ministre signé avec plusieurs sectes politiques mercredi, selon ancien sénateur Jean Renel, sénatus. Ancien parlementaire a fait qu'on ait recevoir documentaire. Il y a beaucoup même qu'on ait ça là-dedans. Ancien parlementaire a tout profité démenti information qui fait quoi elle était exigée pour ce ministère de justice pour le signer à quoi si là, Jean Renel, sénatus, rappelé compromis historique là, t'es toujours priorisé intérêt national sous intérêt. Mais ce n'est un côté Jean-René Sénatus en amico mané samedi. Chacun de vous ça. Ministère de la Justice, oui. Non, je ne comprends pas. Alors, vous me dites, est-ce que c'est tout bon? Oui, puisque dans les couloirs caribés, hier, parole a parlé, puisque pouvoir selon eux même peine, pas représenter trois gros bagailles encore, puisque Lambert a eu gagné sanction sous dol, ou même tout, ou son gros eau dans ce soupe là, puisque dans le compromis historique, la guerre DNP, moi, non, madame Maniga fait la une là, mettez ou même, et ils dit que y a gagné un ministère de la justice là, cap nan mais non, même le cadre compromis historique, non, en tant que compromis historique là, tout le monde parle politique la même chose. Il y a un compromis, non? Ou te dit comment Sénatus fait chita avec eux. Comment unir fait chita avec eux. Mm-hmm. Mais nous dit, dans le niveau que nous vivons là dans le pays, là, en dehors de tout ça, nous avons reproché au monde qui est haïtien, mais il est plus que nécessaire pour ces haïtiens qui chita ensemble et pour nous chercher solution ensemble. Mais nous avons dit tout, que l'intérêt mesquin, intérêt personnel, intérêt clanique, pas qu'il doit primer son intérêt national. Je dis que au monde si on bagaille pour bon qui se situe qui cela, c'est la mesquinerie pure et simple. Et moi-même, j'ai un exercice qui fait 4 ans, 9 mois dans l'État, qui participait comme commissaire du gouvernement, comme sénateur pendant 4 ans,
Moi, je vois qui ça mis, qui rit côté le mené nous pendant le pays. Donc, Claudia, c'est pas si tu veux pour le top chargé, c'est plutôt en regarder comment nous sommes capables de faire ça à vivre. Radio a fonctionné, Radio PAM a fonctionné, cabinet a fonctionné, université a fonctionné, parce que c'est pas du job l'État qui a permis au moins d'exister. Après, sans se faire moins comme râler là, le sénateur a démenti, il n'a pas gagné l'idée, soit pour le temps dans le ministère de la Justice, ou bien gagné l'idée, et que pouvoir, pas besoin de mettre ça dans la tête, yo, pas gagné bagarre comme ça. Non, moi, je suis le président de la République. Certaines informations font quoi pouvoir minimiser le compromis politique qui affaibli avec sanction qui tombait sous dos président Tigre Sénat Joseph Lambert, ancien sénateur, Yoé Latortu, ancien parlementaire agent. René, sénateur, c'est précisé sanction pourquoi applicable en Haïti. Sinon, il faut qu'il y ait un dossier justice qui est enclenché par côté autorité en Haïti. En côté, il y a l'autre fois, Jean René, sénateur, c'est toujours dans le micro, Mané samedi. Non, parler des sanctions qui viennent de toute part. Yo dit tel monde non, tel bagage, tel monde non, notre position pas non sous lit, et notre position est ferme. La sanction a bien importance lorsque l'État haïtien il n'a pas crié dossier, yo a crié avec nous en Haïti, et aux questions de chaque de nous sous fait que l'international a remetté doit sous yo pour dire des commerces comme ça en de pays. Mais si on était en l'air, on ne parle pas, j'en descends. Mais un organe de poursuite, un organe répressif, n'est pas plus qu'il paye à n'en rien. Les élections vont avoir lieu. Et nous allons gagner des mouns qui, pire mal que mouns, nous dit, il y a retiré sous cette politique-là, Captini. Et là, il n'y a rien qu'à plus qu'il paye à vrai dans sa capte. Hein? Il y a eu fait tout investissement dans le pays étranger. Mais on prend le royaume uni, quand je vous dis, il gère tout bien dans le pays. Ça montre que c'est Haïti qui paye pas nous. C'est Haïti pour nous construire, c'est la donne pour nous investir, et c'est la donne pour nous choisir le meilleur côté pour nous enterrer dans le pays. Très bien. Je regarde nos bagages avec vous, soit approche ou faire sous section internationale. Yo. Mais l'idée là où dit c'est pouvoir qui était capable lui-même tout rapatrier dossier. Je me pose une question comme ça pour me dire, mettre sénatus, les sanctions internationales sont-elles applicables sur le territoire haïtien? Mais est-ce que les sanctions prises en international sont applicables en Haïti. Mathieu, tu connais le but de droit interne, nous gagnons le principe de la hiérarchie des normes. Qui dit, gagner question constitution en tête convention internationale, yo. Convention internationale en tête loyaux en tête décret, etc. Chaque point là, yo, pas des décisions de justice. C'est des décisions diplomatico-politiques. Mais dans le pays, ça y est, qui dit, dans ce pays qui a fait état de droit, il y a tout dit à mon élection, le nom élection, nous désignons, ou capable d'aller tribunal, parce que ça, par une sanction qui atteint l'autorité de la chose souverainement jugée. Maintenant, même lorsque c'est en sanction qui est prononcée par un tribunal, il faut que l'État exécuture en Haïti pour t'appliquer. Donc, sanction, ça y est, après, on dit, moun n'a pas le droit d'aller aux États-Unis, les n'a pas le droit d'aller au Canada. Jusqu'à présent, sur le plan interne, moun n'a continué à faire de toute activité. C'est ça que moi-même, les décisions de l'international qui concernaient moun ça qui est sanctionné, il y a un effet effectif en Haïti et qui a aidé le système non avancé politiquement et judiciairement parlant, lorsque le dossier aura été récupéré par l'État haïtien et que l'État haïtien, par ses organes internes répressifs, a poursuivi Mounsayo et fait expliquer sur ça qu'il y a.